n'êtes rien, mais quand il s'agit de vous, on doit vous aider sans poser de questions. Si vous avez des questions, je me ferai une joie d'y répondre. Vous évitez adroitement de répondre. Qui d'autre avez-vous entraîné là-dedans? Des Tengu extérieurs à l'Empire m'ont proposé... Ah oui, les Tengu. Voilà, les Tengu. ...une faveur au peuple de Tyrik. Je n'ai pas posé de questions. Je parie qu'ils ont entendu le message de Jory, qu'ils sont venus donner un coup de main et qu'ils ont été entraînés dans cette histoire. Oh, moi j'ai la flemme de descendre de mon coyote. Je préfère lui dire voilà, la vérité avant tout. T'appuies sur 1, il fait une attaque et puis voilà. Ah, je sais. Les portes se trouvent au bout de ce chemin. Je vous laisse le temps. J'ai fait seulement argent. T'abuses, t'aurais pu faire mieux. Bien. Suivez le rythme de mes frères et sœurs Tengu. Ils vont tenir les créatures. Mais les Tengu, si je réfléchis deux secondes, c'est pas des mauvaises créatures chez les Japonais. On leur a donné ça comme nom. Ah, peut-être, peut-être. Ce n'est que la troisième fois que je rencontre notre enceinte. Je suis pas sûr de moi, mais. Non. Vous avez de la chance. Il paraît que je fais bonne impression. Est-ce que tous les Sylvari sont comme vous? Ma chère, j'aurai l'audace. J'arrive même pas à voir qui je dois frapper tellement c'est le bordel. C'est le chaos. Mais moi. C'est quoi les trucs là par terre? Je sais pas, tonneaux. Je sais pas, ils disent que c'est des flèches. Vous n'avez pas d'arc. J'ai un archer, mais d'après eux, j'ai pas d'arc. Non. Je savais que tu m'y donnais depuis le début. Non, mais en fait, faut ramasser un arc spécial, un truc. Ouais, j'imagine. C'est comme les fusils ou ouais, ouais. Comme ça. Ouais, non, mais je m'en doutais un peu en vrai. Oh. Allez, on se fait des courgettes. Je s'en est passé. Je suis rapide comme le vent. Mais par contre, il va falloir que je me renseigne en fait, parce que les je ne sais pas de où ils viennent. Bah, bonne question, ouais. On les a jamais croisés, donc pour l'instant ils sont pas dans une zone. C'est ça, hein, je crois qu'on les a jamais croisés. Hein. Bah non, il me semble pas non plus. Hein. C'est la première fois que j'en vois un. Je suis rapide comme le vent. Donc pour ma part, j'ai envie de te confirmer que oui. Tu penses que ce serait les un peuple qui vit dans la région de Kanta et que ce serait les. Bah ouais, je verrais bien ça, ouais. Lié à la suite. Ils ont été. Bah pareil, ils sont embêtés aussi chez eux. Ouais, je pense qu'ils les ont ramenés discrètement dans l'histoire pour nous les présenter en fait. Ouais, il y en a un qui vient de débarquer en disant ouais, faut nous aider. Bon, au pire, moi j'ai vérifié. Mais je pense que c'est l'idée, ouais. Je pense que c'est une genre de c'est... présentation. C'est pas compliqué, hein. Comme par hasard, comme ils ont popé ouais. Chez nous. Tu tapes Guild Wars 2 Tengu bah oui. Sur un wiki. Bon, Butters, on va avoir besoin de toi. Pour bah, faut que tu lèches la glace. Pas parce que je m'appelle Snook. Non, mais t'as dit que t'aimais bien. C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Hein. Oui, mais là c'est des glaçons, c'est pas de la glace. Ah bah, moi, j'aime la glace. Je te mets un peu de sirop si tu veux. La glace avec un parfum. Eh ben, je te mets du sirop. Ça, y'a pas de souci. Je te mets. Tu préfères quoi comme parfum? Qu'est-ce que tu recherches? Je sais pas, moi. J'aime pas les. Ah, je suis pas fan des. Comment on appelle ça? Ah, je sais pas, faut nous le dire. Je sais pas, tu sais, c'est juste de la glace pilée et te mettre juste un petit. Ah, les granitas là. Ouais. Non, granita, c'est le truc à. Ah, mais ça dépend comment.
J'ai reçu plus qu'un peu. Ça dépend où t'habites, en fait, ces le nom. Ces étrangers m'ont prêté main forte, tout comme ceux de l'autre côté du pont, bien sûr. Il vous a fallu quoi pour rassembler cette armée? Une heure? Où, là? Comment les avez-vous convaincus? Ah, ils sont derrière le mur! Nous l'avons apporté. Il n'y a pas à chercher plus loin. Nous tenons à tendre... Derrière vous! De l'autre côté du pont! Ça va être un problème, ça. Vous voulez bien ouvrir la porte, histoire qu'on puisse rester en vie? Et prendre le risque de laisser cette chose entrer... D'accord! Je sais pas, je sais que t'es déjà venu ici. On est déjà passé dans les débuts. Et la porte est fermée d'habitude. Ah oui, je la connais, ouais, cette porte. Ah, là où il y aurait dû avoir la porte, ouais. Je me rappelle, je crois qu'en plus j'en avais fait référence quand on avait record, quand on est passé. Il me semble que... Oh putain, je suis déjà tombé. Tiens, j'allume les feux. Bon. Ah merde, d'accord. Ah merde, je suis tombé aussi. Où je saute. Ça va pas le faire. Thanks. Ok. Ah, il a éteint mon feu. Oh. En creux là. Oh, c'est pas grave. Oh là, vu la taille. Ah, il y a quelqu'un qui est tombé. Non, c'est bon, il est sur le. Ah merde, j'ai pas vu. J'ai pas vu sa petite de choc là. Ah, quelqu'un est venu nous rejoindre. Oh, c'est triste. Qu'est-ce qui est triste? Il lui dit, vous pourrez raconter cette aventure à vos amis à la taverne ou je sais pas trop quoi, et elle dit, j'ai pas d'amis. La petite pingle. Oh merde, je suis tombé. Oh bah j'ai voulu sauter, j'ai pas réussi à l'anticiper. Elle va pas crever la bestiole? Oh, je suis revenu à la vie. Ah, faut se mettre à côté des feux, je crois. Non, j'y suis depuis tout à l'heure. Ça ne vous aide pas? Non, j'y ai cru aussi parce que ça fait une genre d'aura, mais en vrai, pas du tout. Je vois pas grand chose. Ah, c'est rafraîchissant. Hop, saute. Ah bah je l'ai même pas. Ah si, mais il est bientôt mort. Bah je sais pas, moi je le vois à 60... Ah non, 48. J'étais pas sur le bon, j'étais sur le colosse. Bah si, c'est. Ah bah colosse. Moi aussi, j'étais pas sur le bon. Oh. Hop là. Bon. Ah pas, je me fous du cul. Bon, ça va pas aller. Tous les PNJ qui étaient à côté de nous sont morts. Enfin, avec nous, pas à côté. J'ai donné tout ce que j'ai. Bah, en fait, faut mieux faire une roulade, j'imagine, dedans et esquiver, non? Ouais, une roulade, c'est esquiver, ouais. Ouais, parce que le saut, ça marche pas. Me faire voir, là, je pense que je l'avais bien fait et ça a pas marché. Oh là là, ça y est, il a fermé le feu suivant. J'ai déjà allumé celui derrière nous. Ah, oh, je rate ma roulade. John Cena. C'est quoi ça? J'y vais, John Cena. Watcha, watcha. Hop. Ok, j'ai réussi cette fois-ci. Par contre, je voudrais bien le gros lock. Voilà, merci. Il reste 3%. Là que tu dois tomber. Mais le bouclier est déjà fini. Je sais pas quoi dire. Ouais. Commencez par un merci. Merde, je fais de place. À dire vrai, je ne m'attendais pas à recevoir de l'aide à l'extérieur. Ce que j'allais dire, mais il est pas censé y avoir que 4 chapitres en long. Je vais devoir réfléchir. Il y a un coffre.
Mais je peux ouais, il y a un petit coffre et un grand coffre. C'est différent de ce à quoi je m'attendais. Alors, merci. L'Empire des Vents est confronté à la même menace que nous tous. Une alliance plus forte est peut-être possible. Ah si, c'est ça. Je n'ai guère d'influence sur mon peuple. Qu'est-ce qui est ça? Si je raconte cette histoire à suffisamment de l'Empire des Vents. Taverne, tout le monde peut changer d'avis. L'appel. Ceux qui voudront se battre à nos côtés n'auront qu'un mot à dire. Au revoir, Calidris. Il dit ouais, l'Empire des... Mon personnage a dit ouais, l'Empire des Vents a aussi besoin de... Trop quoi. Et je crois que l'Empire des Vents, c'est quand... Eh hey, tiens, il y a une personne, il faut parler, là. Attendez deux secondes. Il y en a deux, même. Il y en a une au fond. Tiens, c'est une sacrée avant. Oui. Plus? Sûrement. Assez? C'est peu probable. Calidris a pu combattre avec nous côte à côte. Tout le monde n'a pas cette chance. Ou cette malchance. Je ne sais plus vraiment. Comme je disais, j'ai perdu ma capacité à définir ce qui est un bon moment. Foute ta life. Il raconte sa vie, lui. Ce n'est qu'un bref arrêt au cours de mon voyage, commandante. Un voyage que je devrais reprendre. Vos aventures m'ont permis de me remplir les poches. Avec cet argent, j'ai pu poursuivre mes propres projets. Je savais que c'était une canaille. J'ai des promesses à tenir, des plans à mettre à exécution. Ah oui, il traîne au casino. Mais il parlait comme ça, lui, avant. Mais ne vous en faites pas, commandante. Je ouais, je crois. Toujours sur vous. Je me rappelle pas qu'il avait un style si british. Voyager avec Saïda. J'ai dû aller chercher mes gains dans toutes les grandes villes d'Elona et de Tiri. Imaginez leur surprise quand je leur ai annoncé la mort de Kral Katorik. Ah oui, c'est vrai qu'il fait des paris, lui. La joie. Oui. Et puis... Oh. L'enculé. Heureusement, j'ai pu faire valoir mes revendications par la force. Désolé, je n'aime pas bavarder. Vous aussi, commandante. Il met un vent, désolé, je n'aime pas bavarder. D'accord. Ah, Tengu, qu'est-ce que t'as à dire? Kamak et vous minimisez vraiment les choses? Franchement, c'est un peu troublant. Pas que je pense que vous ayez tort. Mais plus parce que ça implique que vous ayez déjà affronté ces choses. Si vous les avez affrontées assez souvent pour agir de la sorte dans une situation où des vies sont en jeu, qu'avons-nous évité? Et pourquoi? Je suis une messagère. Ma vitesse est sans égale. Ah, c'est un pigeon voyageur en fait, elle. Dans le nid. Quand les... Comment les avez-vous appelés? Les courgettes. Quand ils ont commencé à se rassembler près de la porte, on m'a envoyé chercher de l'aide. Ils devaient savoir que si quelqu'un avait une chance de se faufiler dehors avant qu'on perde le pont, c'était moi. Et ils avaient raison. Franchement, je ne sais pas comment je pourrais recommencer à jouer les messagères après ça. Ah mais le bruit des piaves derrière. Ça n'engage que moi, mais ma famille, tous ceux de la grande maison, pensaient que les humains nous détruiraient. Vous voyez comme ils ont failli le faire avec les chars. Il a toujours été plus sûr de rester derrière nos murs. Une part de vous-même sait que ce n'est pas l'entière vérité. Que ce n'est pas possible. Que le monde est trop vaste. J'espère que j'arriverai à faire changer un peu les mentalités. Comme vous m'avez fait réviser mon jugement. Bon bah merci beaucoup, hein. C'était sympa. Plaisir, on était à la maison. Attends. Tu es un Sylvari. Allez, on retourne à l'œil du Nord. Connerie d'œil du Nord là. On va préférer aller à l'œil du Sud, au moins il aurait fait chaud. Je suis l'équivalent d'un année. Et Kakatoès qui gueulait derrière. Ah. Yao. Le dragon, il veut me montrer quelque chose. Il veut te montrer sa glace. Ta réputation te précède. Tu savais pas?
Parce que, alors, c'est pas moi qui le dis, mais c'est des choses qu'on m'a rapportées. Il semblerait que Robin Snow... Championne, j'ai quelque chose à te montrer de toute urgence. Ouais, j'arrive. J'arrive. Bah, elle dit j'arrive. Ouais, Robin Snow, c'est une sacrée suceuse en Thierry. Et que je mets des coups de langue par-ci, par-là... La vache, commandante! La puissance de Primordius vient de monter en flèche! J'avais jamais vu ça! Quelque chose a changé. Il faut enquêter pour en savoir plus. Je peux peut-être éclairer ta lanterne, championne. Braham est venu me voir. Écoutez-moi. Mon destin est de tuer Jormag. Vous le comprenez mieux que personne. En effet. Mais Jormag est beaucoup plus puissant à présent. La chouette a dit que la nature peut diriger la chute en s'unissant, et que je suis le harnais. Une lourde responsabilité pèse sur vos épaules, Braham, et les enjeux sont immenses. C'est pour cela que les esprits et moi, nous allons réveiller Primordius pour le pousser à détruire Jormag, et pas le monde entier. Il faut juste que je sache où est Primordius. À quoi bon ? Jormag n'acceptera jamais de se battre contre lui, à moins d'être sûr de gagner. Dans ce cas, nous l'y obligerons. Jormag ne peut pas se cacher indéfiniment de son jumeau. Primordius est une bête sauvage. Il est impossible de le contrôler. Je suis un orne, Oren. Nous n'avons pas peur des bêtes. Les esprits de la nature lui donneront l'intelligence dont il a besoin. Nous allons arrêter Jormag. Aidez-nous. Je veillerai sur vous à travers les brumes. Tu as accepté ce plan totalement inconscient ? Oui. Pour comprendre, il faut se mettre à la place de Braham. Entre dans le bassin de divination, championne. Tu dois voir le parcours de Braham de tes propres yeux. Oh ? Oui, Siti. Alors, le bassin... Feu de forêt. Waouh ! Que va-t-il se passer ? Ah, les illustrations sont magnifiques. Ouais, j'avoue qu'il y a de belles illustrations. Les mecs font des... Ça, c'est vrai. ...travail. Waouh, waouh, waouh ! Oh, j'ai un boubou ! Heureusement. Je suis Braham. Comment ça, t'es Braham ? Ah, ouais. J'ai mal à croire que je vais descendre dans un volcan. C'est la neige, mon environnement. Il y a une grotte en dessous de la lave. Je sens les courants d'air. Ça devrait vous rassurer, non ? Et l'esprit du loup ? C'était votre idée, Wilson. J'attendais que tu claques. Vous renoncez à cette quête ? Non, le plan est parfait. Jormag ne nous verra jamais venir. Il est trop sûr de lui pour ça. J'adore chasser une proie qui ignore ma présence. Moi aussi. Par contre, brûler vif ne faisait pas du tout partie de mon plan. Si nous n'étions pas là, la situation serait grave. Utilisez notre énergie pour repousser la lave. Et en plus, ça rime. Canaliser les esprits de la nature pour repousser la lave et progresser plus en avant dans le volcan. Pourquoi je sens pas ce truc ? Je ne devrais pas m'étonner de voir un comité d'accueil. Les quêtes deviennent rarement plus faciles à mesure qu'on progresse. Par contre, c'est chelou parce qu'on va pas se battre alors. Et merci. C'est étrange parce qu'en vrai, j'ai mes skills alors que je suis en mode Braham. Je pense que ça aurait été sympa qu'ils me mettent un bat contre lui comme lui, tu sais. J'aurais trouvé ça cool. Parce que là, c'est perturbant. Attends, ça veut dire ouais, je peux faire venir mes pets. Ouais, c'est pour pas que tu sois perdu, quoi. Ouais, mais ça aurait été c'est vrai que... Ouais, mais bon, il suffit que tu connaisses pas du tout les spells de Braham et... Ah bah, j'aurais testé, hein. Osé. Et que t'arrives pas à jouer. Ouais, quoi que, c'est pas... Ah ouais, sur la minimap, il y a même pas de vraie route, et, en vrai. Bah non, faut qu'au bout d'un moment qu'il y ait de la lave, faut l'enlever avec les... Ah, mais il y a de la lave partout, mon gars. Les esprits. L'esprit du loup.
cramé mon cul de Bram. Ah. Je suis en train de combattre et mon pied me gratte. Ah, c'est horrible ça. Tu montes devant. Attends. Ok, ouais, on peut pas vous voler. Ah bah, ils sont pas cons. Ah bah alors, Butters. Non, j'aurais dit, vas-y, on coupe. Ah non, sinon, on voit pas à travers les yeux de Bram. On doit faire ce qu'il a fait. S'il a peur de rien, lui, il passe en plein dans la lave. C'est un fou. Comment ça, en plein dans la lave? Il n'y a pas de lave là, c'est que des rochers, c'est que des rochers chauds. Eh ouais. On a une protection contre la chaleur, mais je peux dire que si on va dans la lave, il décède. T'es parti où toi? Je suis là. Non mais je parle à Lady. Il était en train de taper un monstre et puis d'un coup il a décidé de se barrer alors qu'il avait nous rester un poil de cul de Il y a une ours. Il dit je me casse. Ah bah ouais, regarde là on peut plus passer. Bah il s'est dit je vais crever, je me casse. Pas con. Hop. Mec. Je suis dans l'ours. Si on joue un dragon contre un ours, et si nous terminions comme le taureau et les autres, qu'adviendra-t-il des Nornes s'ils nous perdent nous aussi? Des milliers d'entre nous sont déjà morts à cause des dragons ancestraux. Bon, bah je crois que là il faut flotter. Ah, raison. Le monde des prophéties s'est montré digne. Ouais, faut tomber quoi. Ah ouais. Ouais, je pouvais pas utiliser mes ailes de toute façon. Ah ouais, je te l'ai dit, on peut pas voler. Ouais, mais je pensais que là on aurait pu, tu sais, pour amortir la chute au cas où, je me suis dit. Allez, on trace. Calmez, sale bête. Ah ouais, comme je suis en Bram, j'ai pas mes dialogues quand je fais certains trucs. Genre, je lance certains skills. Ah, la panthère. La panthère des neiges. Toi dans son cul. J'en ai une de panthère des neiges. En fait, j'ai l'impression qu'ils lancent des crachats quand ils font ça. C'est genre. Ouais, c'est ça. Crash sur la lave. Vas-y, je te pousse. Hop, là je me mets invisible. Pousse.
ça à l'eau. Ouais, je suis un archer, hein. Mon but c'est pas de me taper au corps à corps. Alors. Sinon je prends mon espadon. Je suis un écrou. Le but c'est pas de me taper au corps à corps. Si, t'as une faux et tout. Ma faux c'est pour faire des sorts. Qu'est-ce que tu racontes toi? Une faux c'est pas pour faire des sorts. Bah si, parce que c'est un bâton, c'est pas une faux. C'est mes sorts qui font que ça se transforme. Hein. En fou. Allez, crevue. Il reste plus qu'un esprit à rencontrer là. Ouais, le corbeau. Ouais, mais c'est nul, c'est sans alcool. Ouais, je sais. C'est pour ça que je t'ai invité. Je me suis dit, ça c'est le genre de truc qui va plaire à Voters. C'est tellement comparable le mode voile. Ah, j'ai failli passer. Et ces petites merdes là. C'est quoi le mode voile? C'est le pouvoir des nécros. Et quand je me transforme. T'as pas regardé pour. Pour changer de spé? Je sais pas, l'aspect élite. Non, on j'ai. A deux est-ce... On je a deux. Je joue. T'as pas une? Je joue Greatsword. Y'en a pas une qui te plaît? Non. J'aime bien, je kiffe trop ma Greatsword. Franchement, avec le voile, c'est surpuissant au cac. Parce c'est que pas les nécros, ils ont quoi comme spé élite? Alors, franchement, à te donner les noms, je saurais pas te dire. Ouais, y'a un gros en bas. Il vous attend. Vla. Ah, c'est cool. Voile full. Ouais, parce qu'en plus, ma spé, elle me donne. Avec mon archétype, ça me donne direct mon voile. Qui se max très rapidement. Oh, mais calmez-vous! Les boulettes dans mon cul! Et y'a le corbeau! Ouais bah tue déjà le mob et puis après. Bon ça tue déjà le mob. Et il est pas mort encore hein. Non mais ça je sais. Bah j'attendais qu'il se rassemble en fait. J'ai utilisé mon voile. Et comme je peux attaquer plusieurs en même temps,
Voilà, lui il est mort. Wow, wow, wow. Ah non, il en reste. Mais il en reste plein, ouais, moi j'ai failli crever. Ils se sont tous mis à taper dessus en même temps. Ah bah oui, mais les petits, si là, tu les attaques pas. Je peux pas les attaquer là. Quoi? Parce que si. Même pas tes pets en plus. Bah non, je sais, c'est pour ça que je voudrais bien les remettre. Ouais, ils sont sautés à côté de toi. C'est les saloperies de la dernière fois. Reste près de moi. Ah, le corbeau. Le rassemblement du corbeau. Ça c'est pour Butters. L'entre du dragon de feu. Être le norme des prophéties, ça a ses avantages. Même si je crois que j'aurais préféré avoir des ailes. Ouais, moi aussi. Bien raison. Attention à la chute. Je dis à quoi? Allez, juste quand je saute, ils me disent attention. J'ai flippé sur le coup, je me suis dit merde, je vais me faire carotte. Ce n'est pas comme si vous n'aviez pas l'habitude de dompter des créatures dangereuses. Je ne vois pas qui serait plus à même de mener. Comment ils m'ont coupé le clapet là? Oh! Oh merde, j'ai pas vu la boulette. Reste là-bas. Bestiole de merde. Oh! Destructeur déchaîné là, restez loin. Putain, je crois mes mains. Allez, il faut ressauter. J'allais dire ou pas, putain. Votre détermination est plus forte. T'es chaud par chez toi? Ouais. Oh, du... le vent est froid, c'est une horreur. Bah nous là ça se réchauffe enfin. Depuis le temps. Je suis coincé. Allez, balance-les tes merdes! Te défonce! On te défonce! Guérison partagée! Qui fait de la guérison partagée? Ah, je... C'est moi! Qui fait de la guérison partagée, mais pas partagée avec toi? Salaud! Partagée avec ma créature! Mais quel salaud ce Butter! Ah, c'est lui qui va. C'est ma créature qui va au cac! Il faut bien que je partage. Bien que je le soigne. Bien que je le soigne. Ah, les autres ils peuvent crever. Je suis pas healer. Enfin, je pourrais, mais je. Ah ouais, c'est vrai. Ça, j'avoue, tu pourrais servir à quelque chose, oui. Ce serait sympa. Ouais, mais faut. Faudrait que je sois. Faudrait que je mette ma spécialisation de druide. Et j'aime pas jouer le druide. Je suis pas un healer, moi je suis un soutien. Je suis pas. T'es polyvalent. Non, je suis un soutien, pas un healer. T'es polyvalent pour le soutien. Ouais, mais pas polyvalent pour... pas polyvalent pour le soin. Ouais, ouais, non mais je me doute. Voilà, ça s'explique. Je comprends. Dans le soutien, je suis polyvalent, mais pas pour le soin. J'avais une connaissance comme ça qui était polyvalent, mais pas pour les chevaux. Et pas pour les chevaux, J'avoue que ça se comprend après. Bon, dégage ton feu là, que je puisse venir avec mon poil de la mort. Ah, va, mets-toi sur son côté. Yo,
Allez. Échaîne un peu. Force de la meute. Arrête de me tirer dessus. Hop, je me recule. Oh bah. J'étais dans le timing. Roulade. Et tu vois, c'est ça que j'aime bien avec, avec Guild Wars. Même s'ils ont pas beaucoup de pouvoir, en fait, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de pouvoir. Ouais, donc, c'est vrai. Donc, je trouve que c'est un inconvénient, mais c'est un avantage aussi. Parce que si tu t'arrêtes de jouer pendant un petit moment et tu reviens, et ben tu te dis pas, ah merde, c'était quoi mes spells, c'était quoi je claquais en premier, c'était quoi ma. Tu sais, ouais. Comment on appelle ça, la routine. Ouais. Non, la route des sorts ou je sais plus trop quoi. Là, t'arrives, tu fais 2-3 coups, machin, et puis hop. Morbius a-t-il toujours été aussi laid ? Oui et non. L'infection provoquée par la magie des dieux et des dragons morts s'est propagée jusqu'à son village. Ah, mais j'avais pas vu, moi j'ai un cri, transformation au loup. Préparez-vous. Pas vu ça ? Vas-y, claque-le pour voir. Loup-garou. T'es devenu un loup-garou. Ah ouais, là j'ai des nouveaux skills. Allez, canaliser. Je vais unifier les esprits de la nature pour qu'ils avancent tous vers un même but. Je vais donner aux esprits le courage et la férocité qui leur permettra de respecter la foi, même face à Primordius. Ah, j'ai choisi le corbeau en dernier pour toi. Les anéantir tous les deux. Je vais donner à Primordius le discernement qui nous permettra de reconnaître son ennemi. Oula! Je sais pas si tu l'as enlevé ou pas, mais moi ça a pas mal tremblé. Ah, ils vont tous dans le. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Ah non, ils sont pas. Le dragon n'a ressenti aucune affinité avec nous. Nous avons failli à tout dévorer. Nous devons trouver. Ouais, j'ai eu le tremblement. Stabiliser. Nous devons le pousser à établir la connexion. Comment fait-on pour arrêter une avalanche, Ersan? On ne peut pas. Une avalanche. Il faut la surpasser. Primordius a besoin d'un champion. Un champion comme Ryland. Un harnais. Et si je devenais comme vous? Pourquoi faites-vous cela? Pour attirer l'attention? Entrer dans la légende? Gagner du pouvoir? Non. Je fais ça pour protéger tout le monde. Pour que mes amis restent en vie. C'est cette volonté, c'est votre esprit, Braham Ersan. N'en doutez jamais. Parle à l'esprit du corbeau. Ouais, je viens de voir. Non, faut que... non, bénédiction. Et ouais, moi j'ai une béné. Voilà, je suis un esprit maintenant. Je sais que ce n'est pas tout à fait ce que nous avions prévu, mais nous allons réunir les dragons jumeaux, quoi qu'il en coûte. Ouais, ça marche tout seul. Ah oui, moi j'ai. Ah, en fait, on voit pas un truc du passé, on voit ce qui s'est passé quand il s'est barré. Ton plan, ouais. Ah, c'était pas du tout ce que je pensais. Moi, je pensais que, comme elle nous disait, mais ton truc là, il faut voir par quoi il est passé. Ah oui, mais c'est ça, c'est un truc du passé en fait. Bah non. Il l'a fait avant de revenir et dire voilà, il s'est passé ça. Nous, on sait pas ce qui s'est passé quand il s'était barré la dernière fois. Ou je sais plus quand. T'es sûr de ça? Ouais, quand il était parti et il a dit ouais, faut que je joue avec les esprits. Je pensais que c'était maintenant, quand il s'est barré. Ou alors non, ah, non c'est maintenant en fait. Pour moi c'est maintenant, non, parce qu'il maintenant. Nous a dit va voir Auren. Il a dit commandante, allez dire à Auren, je sais pas quoi. Pour moi c'est que c'était là, quand il s'est barré. C'est ça qui m'a fait douter justement et remettre en question ce que je pensais. Bravo. Ok, ah bon, on a parlé direct avec Auren. Il a survécu? Je crois qu'il a réussi à établir un lien avec Primordius, mais j'ai perdu le contact avec lui. Braham s'est sacrifié pour nous protéger. Comment a-t-il pu... Son plan a de bonnes chances de réussir. S'il arrive à forcer Jormag et Primordius à se battre, ils se détruiront l'un l'autre. Mais ensuite, qu'est-ce qui arrivera à Braham? C'était son choix. Nous devons le respecter, quelle qu'en soit l'issue. Nous lui devons cela.
Yeah! Eh ben, je trouve que c'est cool. C'est Clécia. Comment se passe votre journée? Ça va sûrement dépendre de ce que vous allez me dire. Malice et moi avons pris contact avec les Olmacan. Nous organisons une alliance, quelque chose de durable. Est-ce que ça les intéresserait? Je me demande, avec le retour de la Légion de la Flamme... C'est une nouvelle Légion de la Flamme. Nous sommes de nouveaux chars. Des chars unis. Les Olmacan sont au moins disposés à nous écouter. Ils envoient Rox comme représentante, et j'aimerais que vous vous joigniez à nous. Vous servirez de tierce partie. Ce serait un honneur. Je n'ai pas revu Rox depuis la chute draconique. Nous avons sûrement des choses à nous dire. Nous nous retrouvons au sud de l'Arche du Lion, sur la côte de la Marée Sanglante. À bientôt, commandante. Ben, à bientôt. Merci d'être passé. C'était sympa. Déjà, la Marée Sanglante, ça me rappelle où il y avait leur base, là. C'était pas ça? Leur QG, je ne sais quoi. Non, c'est à côté de... À côté de l'Arche du Lion. Ouais, c'est ça, là où ils avaient une base ou je sais plus quoi. Ah, mais par contre, ah oui, mais non, il faut aller au portail en fait. D'accord, ouais, ce que je viens de voir. J'ai vu, pardon, c'est un obligé. Combat dans le portail. Ok, et eh ben. J'ai envie de dire, arrêtons-nous là et puis on va devoir finir la prochaine fois, malheureusement. Comment ça, malheureusement? Bah, parce que ça, c'est con, parce qu'on doit approcher de la fin, j'imagine. Oui! Ah, je pense qu'il reste. Quoique, je suis pas tout à fait sûr. Mais on a bien avancé, mine de rien, malgré le souci technique, on a bien avancé, donc je suis quand même content. Ouais, il y a eu un peu plus que prévu, parce que finalement, on a refait deux boucliers, ce qui fait qu'on est normalement au cinquième chapitre, vu qu'un bouclier, c'est censé représenter un chapitre, enfin, je crois, ou quatrième. Ouais, attends, je crois. Plus. Non, on a vu combien de. C'est notre deuxième ou troisième bouclier, là, aujourd'hui? Je ne sais plus. J'avoue, faudra que je regarde les replays, mais j'ai un doute. Il y aurait trois? Ouais, donc, ouais, on est au moins au cinquième chapitre, je pense. On en avait vu deux, la dernière fois. Là, il en reste au moins un ou deux. Donc, bah, voili, voili, voilou. Et il faudra que j'aille à ton vendeur, aussi, tu m'as dit. Ah oui, viens, il est là-bas. Voilà, tant qu'on est là. Puis bah comme ça. Merde, on est derrière Oren. Et là-bas en fait. Qu'est-ce que. Comme ça la prochaine fois on se retrouve et puis on essaie de finir ça. Donc tu vois, c'était bien de ma faute en partie hein, quand même. Parce que là ça a tenu malgré qu'on ait fait deux épisodes. Que j'avais un petit peu merdé. C'est lui et c'est. Salutations. Dans les sacs du bas en fait. Fleur de cristal, ouais. 4, 3, 2, 1, c'est l'avant-dernier. Ouais, ça, c'est au-dessus de revendre. Et c'est quoi que je dois prendre? Le truc draconique, c'est ça? Ouais. Cristal, ouais, c'est ça, le truc nul. Tac. Non, niveau 2. Non, le 1. Parce que toi, t'as le 2, parce que t'as acheté le 1. Et j'ai 119, ah, ça oui. Coûte 20, ok. Oui. J'imagine que là, tac. Ah oui, on a fait le 1, on avait fait le premier, il faut le 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça. Ça se met automatiquement? Ouais. Ok. Ouais, en gros, là, je peux revenir. Merde, je fais des conneries. Je peux revenir et mettre directement mon. Les réponses se cachent tout autour. Tu peux même acheter le 3, 4, 5. Ah ouais, bah oui, tu peux acheter d'argent en fait. Bah, le truc, c'est qu'ils. N'apparaissent pas. Peut-être parce que j'en si, j'ai faut, c'est dans les sacs, c'est dans les sacs d'au-dessus après, faut que tu remontes. Ah d'accord, ok. Alors que je regarde un peu, là il y a des apparences d'armes. Épaulette, donc ça je cherche. Fusion. Non. Là il y a le 2 aussi. C'est okay. Dans le sac. Si. Tac. Ouais, le 2. Le 3 est dans le sac d'au-dessus, le 4 est dans le sac d'au-dessus, le 5 est dans le sac d'au-dessus. Ah il me manque 1 pour acheter le 3, mais c'est pas grave déjà, ça veut dire que je pourrais je peux changer ma maîtrise. C'est déjà ça. Me mettre en mode. C'est où déjà dans le dernier? Salutations. Ok. Il est disponible, c'est bon. Forge cristal. Je réponds présent. Par contre, je sais pas, ça met entraînement. Ah oui, ça a transféré. Mais attends. Ça a transféré mon XP dedans? Non.
Ah non, peut-être parce que là je le vois pas, parce que je suis coché dessus, mais... Non, là t'es sur une autre barre, là. Ouais, mais c'est bizarre. Pourquoi je suis dans une autre barre alors que j'ai changé... Parce que l'œil du Nord... Ah, t'as pas le droit de l'avoir ici. Considère pas comme un... D'accord, oui. Ok, ouais. Pas la bonne zone, en fait. Ok, ouais, c'est ça, c'est ce qu'on avait parlé la dernière fois. Bon bah, Monsieur Butters, on se quitte ici, hein, nous. Les meilleurs. Je vous dis à bientôt, et puis merci d'avoir regardé ces épisodes, hein, vu qu'on en tourne généralement... Plusieurs. Peut-être pas la prochaine fois, vu que la prochaine fois, on... Ah, quoi que je suis, peut-être deux, hein, comme j'ai dit. Je pense qu'on devrait finir. Ouais, au moins deux. Parce que là, on a fait beaucoup, quand même, mine de rien. Je m'attendais pas. On a 8 épisodes, je crois, sur ces. 8 vidéos sur cet épisode, hein, quand même, je crois. Ah, c'est cool. On avance pas mal. Ouais, non, mais il y a vraiment. Cette partie est vraiment beaucoup plus longue, quoi. Donc voilà, allez, on vous laisse ici, merci YouTube, à la prochaine, ciao ciao les amis. Ciao ciao.